Je suis le pasteur Théo Bernard. Je suis missionnaire à Boisso et dirigeant de la région spirituelle du Sud Comoé. Nous organisons ce jour la présentation des vœux de bonne année au pasteur Meunier Boniface. Cet événement qui est devenu aujourd'hui une institution est parti bien de quelque part. Et je voulais donner ces éléments pour que cela ne prête pas à confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes. En ma qualité de serviteur du pasteur Meunier Boniface, j'ai aujourd'hui plus de 130 voyages missionnaires dans la nation avec lui. Et dans chacun de nos voyages, j'ai observé le dirigeant, dans toute sa rigueur, faire souvent certaines remarques à mes collègues missionnaires. Et soucieux de ne pas répéter les mêmes erreurs que mes collègues ont eu à commettre, je me suis dit qu'il fallait donc, en début d'année, approcher donc l'homme de vision pour que je puisse obtenir une feuille de route pour que je puisse éliminer le maximum d'erreurs au cours de l'année. Et donc, c'est dans cette optique que j'ai rassemblé tous les membres de ma région dans les premières semaines de l'année et nous allons donc au domicile du leader. Il était en ce moment-là encore aux deux plateaux et nous allons pour lui présenter nos vœux de bonne année et profiter de cette occasion pour recevoir de lui des directives pour l'année en cours, pour éviter d'avoir des erreurs. Et j'ai choisi d'aller avec les missionnaires, j'ai choisi d'aller avec les dirigeants, pour que ma communication arrivée au niveau de la région soit rendue facile, puisqu'ils auraient écouté avec moi. Ainsi, pendant que nous présentions nos vœux de nouvel an au pasteur Meunier Boniface, certaines zones à Abidjan et certaines régions également, venant lui rendre visite, ont donc découvert l'action qui était en train d'être menée. C'est comme cela que, de fil en aiguille, la situation a commencé donc à se généraliser. Donc, chaque région et chaque zone passait, si bien que, durant toute une année, le pasteur Meunier Boniface ne faisait que recevoir les gens. Il a donc décidé, comme la chose est devenue générale, et que toutes les zones et que toutes les régions de Côte d'Ivoire participe déjà à cette manifestation pour éviter d'accorder un jour spécial à chacune de ces régions et de ces zones. Il a donc décidé que moi qui suis l'initiateur de cette chose et l'ancien Zippo qui est un ancien d'Abidjan, de nous mettre ensemble pour lui permettre de gagner du temps et de faire donc une cérémonie unique dans l'année pour que cela soit fait comme nous le voyons aujourd'hui. D'aucuns penseraient que c'est un culte de personnalité, mais je vous avoue que ce n'en est rien. Quand nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire de Saül. Saül avait été nommé roi. Et quand les gens ont vu que c'était Saül qui était le roi, la Bible dit que certaines personnes ont méprisé Saül. Et ces personnes sont donc parties sans rien donner à Saül. En décortiquant ce passage, nous comprenons que donner à un dirigeant, c'est accepter le leadership du dirigeant. Quand quelqu'un reconnaît une personne comme étant son dirigeant, la seule pour montrer qu'elle a accepté que la personne est son dirigeant, c'est que la personne donne au dirigeant. Donc c'est dans cette optique que chaque année, quand nous ne venons pas voir notre dirigeant les mains vides. Nous lui apportons des présents parce que nous avons accepté son leadership et nous sommes très reconnaissants à l'action du pasteur Meunier Boniface. Vous savez, c'était un fonctionnaire, même quand il était déjà dans l'œuvre au Cameroun, mais il était un fonctionnaire. Il a tout abandonné pour venir en Côte d'Ivoire et nous savons l'œuvre qu'il a accomplie dans cette nation. De trois qu'ils étaient à arriver en Côte d'Ivoire dans les années 1995, nous sommes aujourd'hui à un effectif de 58 258 membres avec la plupart de ces personnes radicalement converties. C'est une œuvre extraordinaire. Et je voulais profiter pour exhorter les peuples des autres nations de faire pareil pour leurs dirigeants. Parce que c'est une action encourageante. Et donc je pense que c'est nécessaire que cela soit fait dans toutes les églises et que les dirigeants soient encouragés et qu'ils soient prêt et fort pour aller à la bataille. Chers téléspectateurs, voici les circonstances qui ont engendré cet événement. Je vous invite donc à nous suivre. Soyez bénis. Je
Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici aujourd'hui, samedi 9 janvier 2021, pour présenter nos voeux de nouvel an à notre leader et à sa famille. Notre leader, le pasteur Boniface Meunier, et à sa famille. Une année s'est écoulée, le Seigneur a été fidèle, il nous a conduits, son secours ne nous a pas fait défaut, sa grâce s'est manifestée et nous nous retrouvons une année après. Il est bien pour nous, en tant qu'enfants du couple Meunier, de ne pas rester indifférents par rapport à la manifestation de la grâce et de la faveur de Dieu. Parce que rester ferme dans le Seigneur auprès d'un dirigeant, ferme au cours d'une année, c'est la main de Dieu. Amen. C'est pourquoi pour nous, chaque année, nous jugeons utile de nous retrouver pour renouveler nos sentiments, pour dire à notre dirigeant que nous l'aimons et que nous sommes attachés non seulement à sa personne, mais aussi à la vision que le Seigneur lui a donnée. Nous allons, pour cette cérémonie de présentation de vœux, écouter quelques chants et des pas de danse qui seront exécutés par des danseurs talentueux. Et nous allons également écouter le discours de notre représentant, celui qui va parler au nom du comité d'organisation de cette cérémonie, et à nous tous notre nom en tant que corps de Christ. Nous allons également chanter et danser avec les semeurs. Nous allons remettre un présent symbolique à notre leader. Nous allons lui donner l'occasion de dire quelque chose en retour. Il aura la coupure du gâteau et nous allons rompre le jeûne ici, ensemble, avant de rentrer. Alléluia. C'est une soirée exceptionnelle. Elle sera de courte durée, mais elle sera remplie d'événements de joie. Donc, prépare-toi à te réjouir. Alléluia. Nous allons recevoir ici la famille Meunier. Et ils vont nous rejoindre en ces lieux avec un chant que va chanter nos valeureux semeurs. Yahweh reçoit la louange pour l'éternité. Au début, en 95, nous avons reçu 3. Pasteur Meunier, la sœur Colette et leur petite fille de 3 ans, Gracielle Meunier. Et aujourd'hui, en 2021, du nom reçu de depuis Marc-Horry, en passant par la Riviera, Yopougon, Koumassi, Pauvre et Bergerville, et dans les différentes régions, l'œuvre a été implantée. Elle prospère entre les mains des enfants que Dieu a donné au couple Meunier. Alléluia! On va se lever ensemble pour chanter ce chant. Reçois toute la gloire, Yahweh reçoit tout l'honneur, Yahweh reçoit notre louange, aujourd'hui et pour l'éternité, Yahweh, Yahweh reçoit toute la gloire, Yahweh, Yahweh reçoit tout l'honneur, Yahweh reçoit notre louange, aujourd'hui et pour l'éternité. La famille Meunier a foulé le sol ivoirien et à Marc-Horry, la première assemblée a vu le jour pour la gloire de Dieu. Yahweh reçoit toute la gloire. Yahweh reçoit tout l'honneur. Yahweh reçoit notre louange. Aujourd'hui et pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui a rendu possible la conquête depuis 95 jusqu'à cette année?
notre louange. Aujourd'hui et pour l'éternité. Nous sommes partis de Marcorie. Nous sommes entrés à la Riviera. Puis Dieu a rempli la nation. Des hommes enflammés pour Jésus. Nous sommes partis de Marcorie. Nous sommes entrés à la Riviera. Puis tu as rempli la nation et les nations. Des hommes enflammés pour Jésus. Et à mon Dieu, Yahweh reçoit toute la gloire. Acclame ton Dieu. Yahweh reçoit. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui a fait ces choses? Yahweh reçoit notre louange. Aujourd'hui et pour l'éternité. Qui était né prospère jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu as suscité un dirigeant, un homme à rattacher loyal à l'autorité. Il nous a donné 18 parties de oh oui, Yahweh. Yahweh reçoit toute la gloire. Oh oui, Yahweh. Yahweh reçoit tout le parce que c'est ton nom. Yahweh reçoit notre louange aujourd'hui et pour l'éternité. Pour 2005, envoyé un missionnaire à sauver. Il a implanté deux assemblées et la première assemblée a coupé. Oh Yahweh, Yahweh reçoit toute la gloire. Oh Yahweh, Yahweh reçoit tout le bien. Yahweh, Yahweh reçoit notre louange aujourd'hui. Aujourd'hui et pour l'éternité. Yahweh, Yahweh reçoit toute. Merci Seigneur. Yahweh reçoit tout le c'est toi qui l'as fait. Yahweh reçoit notre louange. Aujourd'hui et pour l'éternité. À un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le Seigneur a suscité une équipe, une admirable équipe que nous avons appelée l'équipe Kotcho. Alléluia. Évangélistes de feu qui ont embrassé la nation, gagnant les âmes, implantant les assemblées à travers la nation. L'équipe Kotcho, tu nous l'as donné. Ils allaient de ville en ville, oui, ils allaient de village en village, proclamer l'évangile en berger. Oui, l'équipe Kotcho, tu nous l'as donné. Oui, ils allaient de village en village pour proclamer l'évangile en terre. Acclamons ce Dieu. Yahweh reçoit tout de la gloire. Oui, acclamons. Yahweh reçoit tout le bonheur. Acclamons-le. Yahweh reçoit notre louange aujourd'hui. Aujourd'hui et pour l'éternité. Oh oui, Yahweh. Yahweh reçoit tout de la gloire. C'est toi qui dans les hommes. Yahweh reçoit tout le bonheur. Aujourd'hui et pour l'éternité. L'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. L'éternité. Pour l'éternité. Aujourd'hui. Aujourd'hui et pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Aujourd'hui et pour l'éternité. Proclamons-le ensemble. Yahweh reçoit toute la
aujourd'hui, c'est bien sûr, évidemment, parce qu'il y a un couple qui a accepté d'obéir au Seigneur. Alléluia! Alléluia! Mais après, il y a eu un peuple qui a suivi. Si nous n'avions pas obéi, si nous ne les avions pas acceptés, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc tu vas te tourner vers ton frère et tu vas dire, Yahweh, merci pour mon frère. Yahweh, merci pour ma soeur. C'est toi qui donnes les âmes aujourd'hui et pour l'éternité. Yahweh, merci pour mon frère. Yahweh, merci pour ma soeur. Qui donne les hommes aujourd'hui et pour l'éternité. Dis-le à ton frère, s'il est là, c'est la main de Dieu. Yahweh, merci pour ma soeur. C'est toi qui donne les hommes aujourd'hui et pour l'éternité. Aha! On va bénir ensemble le Seigneur. En bas la main. Un, deux, ensemble. Un, on tape tes mains ensemble. Un, deux. Hey, tu es ma force, mon bouclier, mon espérance, mon rocher. Tout ce qui espère en toi sera point confus, et tout ce qui se confie en toi connaîtra le salut. Tu es ma force, mon bouclier, mon espérance, mon rocher. Ceux qui espèrent en toi ne seront point confus, et tous ceux qui se confient en toi connaîtront le salut. Je m'écris loué soit l'Éternel pour ses bienfaits, et j'ai la délivrance sur tous mes adversaires. Et lorsque les liens de la mort m'avaient déjà environné, l'Éternel dans sa grande fureur les a tous dispersés. 2000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton sont là pour me rassurer, même quand j'ai peur. Oh, si ce n'était qu'Israël, lorsque nos ennemis se lèvent tous contre nous, l'Éternel dans sa force nous apporta son secours. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. En bas la main, Israël a dit, béni soit l'Éternel. Qui ne nous a pas livrés en pâtir à le temps, et nous a dispersés par des chemins comme un si mort. Ce n'était l'Éternel, si ce n'était l'Éternel, Israël dit, si ce n'était l'Éternel, lorsque nos ennemis se levaient tous contre nous, l'Éternel dans sa force nous apporta son secours. Oh, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Que le peuple de Dieu le dise, béni soit l'Éternel. Oh, oh, oh. Si ce n'était l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Acclamez, acclamez soit l'Éternel. On acclame le Seigneur. Acclamez soit l'Éternel. Hey, acclamez soit l'Éternel. Oh, 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 oh. Acclamez soit l'Éternel. Des cris de joie. Hey, hey. Oui, bénis-le. On acclame. Plus fort, 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 plus fort. Hey, il est bon, il nous délivre lorsque l'ennemi vient vers nous. Il nous arrache des mains de l'ennemi. Il nous donne la victoire et nous fait entrer dans ses parturages. Oh, qu'il est bon ce merveilleux Dieu. Si ce n'était l'Éternel, Israël le dit, si ce n'était l'Éternel, lorsque nos ennemis se lèvent tous contre nous, l'Éternel dans sa grande apporta son secours. Béni soit l'Éternel, que le peuple de Dieu le dise, que la sœur Saïd le proclame. Béni soit l'Éternel,
n'était l'Éternel, si ce 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 n'était l'Éternel. Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué, loué soit l'Éternel. Adoré soit l'Éternel, adoré soit l'Éternel, adoré, adoré soit l'Éternel, adoré soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté pour ta main de grâce qui nous délivre des mains de nos ennemis. Sois magnifié, Seigneur. Pendant que tu exalté, te célébrer. Oh Dieu, merci infiniment qu'à chaque jour, tu me donnes la victoire. À toi la gloire, l'élévation, la magnificence. Merci infiniment pour nos parents que tu as bénis, pour nos parents que tu as gardés. Oh, tu as prévu qu'ils soient fermes jusqu'à ce jour pour être nos modèles, pour que nous soyons les modèles. Oh, comme eux, à toi la gloire, Seigneur. Béni soit ton nom. Manifester notre reconnaissance pour le don de nos parents et pour le don de leurs enfants. Chers parents, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et veuillez vous asseoir. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ici. Alléluia! Alors, pour nous permettre de souffler un peu et de demeurer dans l'esprit festif de cette cérémonie, et pour permettre à notre représentant de souffler un peu avant le discours qui sera dit tout à l'heure, nos bien-aimés frères de Daoukro, qui aiment danser pour le Seigneur, qui dansent parce que le Seigneur les a sauvés du lac de feu et leur a accordé la grâce d'être des enfants de Dieu, des citoyens célestes. Nous allons les inviter ici et ils vont danser pour la gloire de Dieu. Ils se nomment les danseurs de l'Évangile. Et oui! Pour les encourager, acclamons, acclamons, bien-aimés. Anima
Merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons pour les encourager. Nous allons inviter ici le pasteur Théo Bernard. Il est le responsable du comité d'organisation de cette cérémonie et il est, pour cette circonstance, notre porte-parole. Il va s'adresser à papa, à maman, à la famille, à nous tous, notre nom. Pasteur Meunier Boniface, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI Côte d'Ivoire, cher Père dans la foi. À l'orée de l'an nouveau, c'est avec un immense plaisir renouvelé que je m'adresse à toi en cette cérémonie solennelle pour te présenter, comme c'est la tradition, nos voeux de paix, de santé et de réussite à toi et à toute ta famille. Avant tout propos, permets-moi de te dire l'insigne honneur qui me choisit cette année encore d'être le porte-parole de cette auguste assemblée comprenant tous tes vaillants soldats venus de toute la Côte d'Ivoire pour accomplir un agréable devoir de reconnaissance envers l'homme de vision et le travailleur inlassable que tu es. Bien-aimés frères, l'année qui vient de s'achever a été riche en événements sombres.
Ce n'est donc pas sans émotion que je me tiens ici ce jour pour égrener quelques souvenirs de ces douloureux combats. En effet, chacun de nous sait, le monde entier a été secoué par une crise sanitaire sans précédent. Nous pouvons aussi noter le départ vers le Seigneur de certains de tes collaborateurs, dont notre bien-aimé Patrice Zippo, qui fut pour toi et pour nous tous un homme de devoir. Nous saisissons donc cette occasion de la présente cérémonie pour exprimer toute notre compassion à la famille CMCI. C'est dans ce contexte bien difficile, sous ta conduite éclairée, que l'Église a connu les transformations les plus significatives de son histoire en termes de valeurs. Oui, l'Église a mûri, ayant trouvé en elle-même les ressources nécessaires pour garder ses membres dans les desseins de Dieu. Il y a de la valeur spirituelle. Il y a également de la valeur intellectuelle. Et il y a aussi de la valeur morale. Les résultats des actions posées avec dextérité sur le terrain au quotidien sont perspectives. Sur le plan de la conquête, malgré les contraintes sévères du confinement, nos effectifs sont passés de 52 021 membres en décembre 2019 à 58 258 membres au 31 décembre 2020, soit un ajout de 6237 membres se réunissant dans 2009 assemblées de maison. Sous ton conseil avisé, l'Église de Côte d'Ivoire compte en son sein 23 enseignants-chercheurs et 7 docteurs en essence de recrutement. Pouvons-nous faire l'inventaire de tes actions menées en 2020 sans parler de la RTVC? Absolument non. Créée pour desservir l'Afrique de l'Ouest, cette chaîne de radio-télévision se positionne petit à petit comme un instrument de référence dans l'espace audiovisuel du continent. Tu prouves une fois encore que tu es toujours à la hauteur des défis importants imposés à notre génération. Au nom du comité d'organisation et de l'Église de Côte d'Ivoire, je voudrais saluer Maman Colette Meunier, dont le travail et l'efficacité ne sont plus à démontrer. La manière dont elle concilie la vie de famille et celle de ministre nous édifie énormément. Les résultats académiques des enfants et encore les mariages de Graciel et d'Esras sont quelques-unes des preuves qu'elle mérite d'être suivie. Cher papa, nous sommes fiers de nous inscrire dans ta vision. Nous sommes conscients du prix à payer pour un nouvel envol de l'Église. Dès lors, nous sommes convaincus que 2021, année pleine d'espoir, prendra une part significative à la réalisation de nos objectifs de la troisième phase. Bonne et heureuse année 2021 et que Dieu, le dispensateur de toute grâce abondante, soit avec toi et avec toute ta famille. Je vous remercie. Il va les saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à la remise symbolique du présent, du cadeau. Nous invitons papa et maman. Papa et maman, au nom de l'Église de Côte d'Ivoire, nous vous remettons ce cadeau pour vous souhaiter la bonne année 2021. Les parents ont réceptionné le cadeau des mains du pasteur Théo Bernard. Le cadeau à eux remis au nom de toute l'Église de Côte d'Ivoire. Nous allons laisser la parole à papa. Offrande. Jésus-Christ. Et je vais appeler ici la famille.
elle s'élargit chaque année. Il y a des alliances internes qui font de cette famille une grande famille. Chaque jour, des figures s'ajoutent. Il y a une figure qui n'est pas là. Monsieur Tchakounte n'est pas là, mais Monsieur Samuel, le frère Samuel. Et il y a Hosanna qui est là. L'an prochain, il y aura des nouvelles. Ça, c'était pour rire. Et vous avez ri. Soyez bénis. Amen. Vous savez, il est bon que le contexte de cet événement soit toujours rappelé pour que son importance soit appréhendée. Les frères nous rendaient visite chaque début d'année et ils nous apportaient des dons. Et ils venaient pour nous encourager et ils sollicitaient des rendez-vous. Au début, l'église n'avait pas beaucoup de membres et il nous était très facile, très aisé de planifier des rencontres. Le Seigneur a béni l'église. Les membres se sont multipliés à travers le pays. Et nous était devenu difficile de trouver un jour de rendez-vous pour chaque groupe. Avant que cette initiative ne soit instituée, une année nous avons attendu jusqu'au mois de juillet. Un groupe attendait un rendez-vous jusqu'au mois de juillet pour les vœux. Alors, comme il y a toujours dans la maison de Dieu des gens qui ont l'intelligence et la sagesse pour savoir toujours ce qu'il convient de faire, certains frères ont compris tout simplement que nous devons avoir un jour unique pour présenter les vœux et puis chacun sera libéré pour aller à la conquête des âmes. Vraiment, c'était une solution divine. Son application a donc accouché ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous sommes là pour recevoir des bénédictions du peuple de Dieu et nous allons aussi prophétiser les bénédictions sur eux. Et ils ne sont pas simplement le peuple de Dieu, ils sont nos collaborateurs directs, nos enfants spirituels qui se sont consacrés devant Dieu et pour être pour nous des fils et des filles pour la conquête de cette nation. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous avons une rencontre donc de communication des dons et d'encouragement mutuel et même de reconsécration à Dieu. Et eux-mêmes, ils ont souvent réussi à le dire tant et si bien, ils sont venus renouveler leur consécration. Donc, avant que je ne dise ce que j'ai gardé dans mon esprit pour proclamer comme bénédiction, j'aimerais que chaque membre de famille, même si c'est en balbutiant, que chaque membre dise quelque chose d'amical, de fraternel. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous commençons par les plus petits. Gloire à Dieu. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Je veux que Dieu vous bénisse avec le succès pour réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Meunier Joël. Je veux dire merci au Seigneur pour votre présence parmi nous, pour les déplacements que vous avez dû effectuer jusqu'ici. Je veux que le Seigneur vous bénisse avec la sagesse, avec la capacité de réussir partout, avec la force qui vous renouvelle chaque jour, et que vous soyez fort tous les jours de
cette année. Jésus-Christ, amen. J'ai écrit pour ne pas avoir cherché. Pas dit. Je rends grâce au Seigneur pour le don de la personne de chacun de vous. Merci à chaque frère ici présent et aussi à ceux qui n'ont pas pu venir. Merci pour vos sacrifices, votre amour inconditionnel et surtout pour vos prières qui ont à chaque fois rendu possible notre succès. Que serions-nous si Dieu n'avait pas suscité un peuple de votre qualité? Que le Seigneur soit avec vous tout au long de cette année 2020, qu'il vous accorde de représenter valablement le royaume des cieux. 2021, qu'il vous accorde d'être des disciples de Jésus et que vous connaissez le bonheur, le succès, la prospérité, la longévité et que tout ce que vous allez faire vous réussisse. Amen. Gloire à Dieu! Je suis très heureuse d'être en ce jour, en ce lieu, parmi vous. Et j'aimerais, comme le psalmiste, citer le psaume 133, qui dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Gloire à Dieu. Et la Bible dit que là où les enfants de Dieu sont rassemblés, ça attire la bénédiction de Dieu, ça attire la vie. Et je prie ce jour que cette parole soit une réalité, que les bénédictions spirituelles soient déversées sur chaque frère, que les bénédictions matérielles, les bénédictions financières, les bénédictions de tous ordres, que les frères soient saturés de bénédictions et de grâces de Dieu. Et je prie également, la Bible dit que c'est comme l'huile précieuse qui descend sur Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, que l'onction de Dieu soit renouvelée dans la vie de chacun d'entre nous ici présents en cette année 2021. Et pour terminer, je veux vous dire merci infiniment. Vraiment merci infiniment pour l'amour que vous portez aux parents et que vous portez à nos personnes. Ce n'est pas un acquis, c'est la grâce de Dieu. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Je suis infiniment reconnaissant à chacun d'entre vous pour l'amour que vous portez pour la famille Meunier. Gloire à Dieu. Et pour l'amour que vous portez à chaque membre qui entre dans la famille Meunier. Je suis le frère Assamoa Émile Maciel, disciple du pasteur Étienne Antoine Edja, et je suis l'époux de Meunier Marie Esdras, épouse Assamoa. Ma prière, c'est que de la même manière que vous manifestez personnellement et physiquement votre amour pour la famille Meunier, que Dieu permette que ceux qui vous a donné manifestent pareillement cet amour, qu'ils vous traitent pareillement comme vous traitez la famille Meunier, qu'il n'y ait pas de différence, gloire à Dieu, et que Dieu fasse prospérer l'œuvre qu'il a déposée entre vos mains. Et que cette année 2021 soit une année de victoire, de grande victoire, au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Quand je descendais les marches de l'escalier, j'étais pleine d'émotions. Je me disais, waouh, à cause de nous, Seigneur, regarde ce décor, regarde le monde, regarde les semeurs. Mon cœur était touché et je suis touchée et émerveillée.
Nous n'aurons pas été ce que nous sommes aujourd'hui si vous n'aviez pas été là. Alléluia. Si vous n'avez pas combattu avec nous, marché avec nous, si vous ne nous avez pas suivis, si vous ne nous avez pas acceptés, aimés, protégés, nous ne serons pas ce que nous sommes. Et l'œuvre en Côte d'Ivoire ne serait pas devenue ce qu'elle est. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous nous avez élevés, qu'il vous élève. Amen. Vous nous avez honorés, qu'il vous honore. Amen. Vous nous avez acceptés, que partout vous soyez acceptés. Amen. À cause de vous, nous marchons dans la victoire. Que la victoire soit votre partage. Amen. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Et qu'ensemble, nous puissions atteindre le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Amen. Amen. Oh oui, bien-aimé, je suis dans la joie de te voir aujourd'hui. Merci, merci. Oh oui, bien-aimé, je suis dans la joie de te voir aujourd'hui. Merci, merci, merci. Chef frère de l'Est, je suis dans la joie de te voir aujourd'hui. Chef frère de l'Ouest, je suis dans la joie de te voir aujourd'hui. Je veux dire merci, 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 merci. Je veux dire merci, 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 merci. Oh oui, chef frère du Nord, je suis dans la joie de te voir aujourd'hui. Oh oui, chef frère du Centre, je suis dans la joie de te voir aujourd'hui. Je veux dire merci, 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 merci. Que le Seigneur te bénisse. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci du fond du cœur. Merci, merci. Merci, 365, merci fois 26 années, merci. Très bien-aimés, chers enfants, mon cœur est dans la joie et mon cœur dit merci. Tout à l'heure, en pensant à l'événement, mon esprit est allé dans la parole de Dieu et j'ai été excitée à lire les versets de d'Hébreux 12, verset 12, qui déclare ceci. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Ésaïe 33, 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Vraiment, 365 jours multipliés par 26 années. Je ne sais pas combien de merci ça équivaut. Mais c'est le sentiment que j'ai eu. En relisant ce passage, j'ai dit à Dieu, je m'ouvre à l'encouragement que tu me donnes à travers chacun de tes enfants. Je reçois la force que tu donnes à mes genoux. Et comme c'est un rendez-vous du donneur du recevoir, je voudrais ici dire, frère, que vous avez de la valeur à mes yeux. Dis que je vous porte dans mon cœur, que je vous porte dans mon cœur, que je vous chéris. Les années
passé, je n'ai pas suivi le cours de la retraite des missionnaires entièrement. Mais c'était une représentation de l'Église ici. Et pendant cette retraite, le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a fait regarder chacun des frères qui étaient présents et partant toute l'Église pour me rendre compte de combien chacun a besoin d'être encouragé. De combien chacun dans un coin quelque part là-bas, parce qu'il aime le Seigneur Jésus et parce qu'il a trouvé en nous des personnes à suivre, à résister à Satan quelque part, a combattu un combat et a remporté la victoire. Frère, si tu es là, c'est que tu as combattu et tu as vaincu. On acclame le Seigneur. Nous avons été à apprendre que la conquête est une réalité et que la vie chrétienne est un combat spirituel. Ah frère, reçois l'encouragement, reçois la force. Et j'ai promis au Seigneur que je vais prier. J'ai repromis au Seigneur que je vais prier. En ayant dans mon cœur ce que j'ai reçu. Que tu vois le petit enfant là, il a lutté avec les serpents et les scorpions, il est sorti vainqueur. Malheur à toi s'il échoue. Alléluia! Que la jeune fille que tu vois là, elle a combattu contre les vipères en ville ici. Et elle est sortie vainqueur. Il faut tout faire pour que le dessein de Dieu s'accomplisse dans la vie de cet enfant-là. Gloire à Dieu! Et bien sûr, je ne peux pas faire ce travail-là moi seule. Alléluia! Alléluia! Tu es enrôlé. Alléluia. Tu es enrôlé. Et nous allons aller de victoire en victoire. De gloire en gloire. Un jour, quand le Seigneur Jésus était sur la terre, les disciples, criblés par Satan, criblés. Le Seigneur dit dans Luc 22, que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il s'adressait à Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne défaille point. Depuis l'année dernière, le Seigneur dit de marcher dans la foi. Cette année, il nous dit d'activer les sites qu'on a perdus, les sites de la foi qu'on a perdus. Ah, nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier pour que la foi des personnes ne défaille. Il faut la foi pour aimer les frères. Il faut la foi pour lire la Bible. Il faut la foi pour croire la parole de Dieu. Il faut la foi pour prier. Il faut la foi pour servir. Il faut la foi. Il faut la foi pour accepter la souffrance. Alors nous allons prier. Mes chers enfants, c'est mon plus grand cadeau pour vous. C'est ce que je vous dois le plus. Je prie le Seigneur qu'il me rende fidèle. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Le pasteur Élie va nous aider à lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, versets 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple
présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Jésus est venu dans le monde pour se faire un peuple qui lui appartient. Et en rentrant, il a promis qu'il va revenir. Il a confié l'œuvre aux êtres humains, à certaines personnes choisies parmi les hommes. Et il les a bénis. Il a dit, si quelqu'un vous écoute, c'est qu'il m'a écouté. Et ils sont partis, ils ont proclamé l'évangile. Ceux qui ont cru ont reçu la vie éternelle. Et nous qui sommes ici ce soir, nous sommes ceux de notre génération qui avons cru. Mais l'apôtre Pierre a posé une question très importante à Jésus-Christ. Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il voulait demander à Jésus, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous avons gagné à te suivre en abandonnant les familles, les maisons, les terres, les privilèges? Qu'est-ce que nous gagnons? Jésus dit, vous aurez les choses que vous avez perdues au centuple. Ça, c'est la première récompense. Et puis, il a dit, quand je reviendrai, vous serez avec moi dans le royaume éternel. Alléluia. Alléluia. Frère bien-aimé, tous ceux qui se consacrent à Christ, comme vous êtes en train de le faire, auront leur bénédiction sur cette terre. D'abord, tu ne mourras pas sans avoir vu la main de Dieu. Si Jésus tarde à venir, et s'il revient demain, il te prendra avec lui. Quand j'avais compris la mission et le besoin d'hommes pour aller de la part de Dieu, je m'étais posé une question un jour. Je dis, qu'est-ce que je fais encore en fonction pendant que je suis jeune? Faut-il que j'attende la vieillesse pour partir? Et j'avais résolu de partir étant jeune. J'ai laissé beaucoup de frères au Cameroun, des frères de famille. J'ai laissé des mères. J'ai laissé des pères, j'ai même laissé des terres. Si tu es mon frère, lève la main. Ce n'est pas tout, hein? Est-ce que Jésus ment? Tu seras traité de la même manière. Parce que tu as cru à l'évangile. Humainement, on dira, ils sont venus soutenir les missionnaires. Mais ceux qui ont les yeux, voient comment vous êtes prosternés devant Jésus pour l'adorer. C'est un acte de consécration. Et c'est un acte d'adoration. Et toute personne qui se consacre est en train de dire oui au service. Parce que dans le processus de consécration, la consécration proprement dite est la dernière étape avant de commencer le service. Donc, ce que nous sommes venus faire ce soir, c'est une manière de renouveler nos sentiments d'abord et de nous réengager dans la conquête. Et tout ce que vous avez mis dans cette affaire, émotionnellement,
financièrement, matériellement, professionnellement, académiquement, vous en aurez tout au centuple. Bien compté par les anges qui ne se trompent pas. Et l'œuvre de Dieu, l'œuvre du vrai Dieu, va prospérer dans vos mains. Il y a 4 prophéties qui encadrent l'œuvre en Côte d'Ivoire. Une vient de moi, je l'ai reçue du Seigneur. 3 viennent du frère Zach. Nous étions en croisade pour préparer notre arrivée en Côte d'Ivoire. Quand le 3 octobre, 94, j'ai reçu une prophétie à 8 heures. Le Seigneur m'avait dit, j'ai un peuple nombreux dans ce pays. Je vous envoie afin de le rassembler. Vous avez des moyens pour cela. Vous avez des moyens pour cela. La deuxième prophétie vient de l'ordination, du send-off. Quand le frère Zach nous a imposé les mains, Dieu a dit beaucoup de choses à travers lui. Et parmi ces choses, Dieu disait qu'il nous donne un troupeau de qualité. Et il nous a dit, vous allez les exalter et ils vous exalteront. Je vous dis la vérité. Ce que vous faites là, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Et vous le faites tant et si bien que tout se fait sans manipulation. On n'a manipulé personne. Au contraire, on vous contient. On vous contient, on cherche les moyens pour nous rassurer que nous ne sommes pas en train de pécher en prenant avidement tout ce que vous déversez sur nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous mesurons pour ne pas pécher. Vous savez, un jour, les vaillants sont partis puiser l'eau à David. David n'a pas bu de cette eau-là. Il disait que c'est l'eau puisée au prix de leur sang. C'est ce que j'ai dit. Nous gérons pour qu'il n'y ait pas de débordement. Sinon, vous êtes un don de Dieu. Pas pour nous seulement. Vous savez, nous ne sommes pas venus seuls. Nous sommes des missionnaires. Missionnaire veut dire qu'on t'a envoyé. Qui nous a envoyé? C'est toute une grande communauté créée par un homme qui nous a précédé, le frère Zach, Zacharia Stanefumo. Avec tous ses fils, toutes ses filles, nous ont pris et nous ont envoyés dans la nation ivoirienne. C'est ce que veut dire missionnaire. Donc, quand vous recevez un missionnaire, vous êtes en train de recevoir toute une communauté. Quand vous renouvelez l'engagement au missionnaire, automatiquement, c'est un engagement renouvelé à toute la communauté missionnaire chrétienne internationale dans le monde. C'est là le sens spirituel que je donne à cet événement, qui est devenu annuel et qui va grandir dans la splendeur. Ce sera un cadre où l'amour fraternel est témoigné solennellement, où les liens de fraternité sont resserrés et où les consécrations au Seigneur sont renouvelées. Ce sera une arme pour pérenniser l'œuvre de la formation des disciples dans la nation. Ça sera une arme pour montrer, pour briller au milieu d'une génération où règnent les rivalités, les conflits, les fausses doctrines, où les gens sont confus et où les gens commencent à se demander où est le chemin. Et il faut que nous puissions montrer le chemin à cette foule. L'autre prophétie, nous étions en train de préparer notre convention 99. Le frère Zach m'a appelé un matin. Il m'a dit, je ne viendrai pas cette année en Côte d'Ivoire.
Tu vas organiser la convention avec le frère Jean Gankoué. Je n'ai même pas pu parler. Pendant qu'il parlait, ma tête fouillait déjà comment on peut organiser une convention. Il m'a donné quelques raisons et puis nous nous sommes séparés. Une semaine après, le frère Jacques m'appelle. Il me dit, j'arrive, que Dieu m'a parlé. Il dit, le Seigneur m'a dit, continue à aller en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que moi-même je te demande de ne plus aller. Car l'église de Côte d'Ivoire sera comme l'église du Cameroun et l'église d'Abidjan comme l'église de Yaoundé. Continue à aller jusqu'à ce que je te dise de ne plus y aller. Nous sommes à la phase où tout nous interpelle pour donner une lecture pour ceux qui savent lire les choses spirituelles, pour dire que cette prophétie s'est déjà accomplie. Si elle s'est accomplie, alors nous avons une responsabilité. C'est comme si Dieu a encore donné à notre communauté l'église de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités qui ont augmenté. L'église de Côte d'Ivoire est promue. Des charges lui sont confiées. Un poids, une attention, des attentes, des oreilles. Et même, il y aura des dépôts. Il y a des choses que nous détenons, mais qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à toute la communauté. Pour ceux qui savent lire l'histoire, ils savent que la Côte d'Ivoire se doit aux nations. Et se doit d'abord à notre œuvre, et se doit aux nations. Parce que le frère Jacques a bâti sérieusement cette église. Quand il pouvait arriver, il y est arrivé. C'était dans son programme annuel. C'était dans son programme lors des transits. C'était dans son programme. Une autre prophétie, nous étions à la Maison Blanche. Le frère Jacques a pris la parole. Dès qu'il a pris la parole, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il dit, le modèle viendra de Côte d'Ivoire. Le modèle viendra de Côte d'Ivoire. Le modèle viendra de Côte d'Ivoire. Chaque missionnaire doit posséder ces prophéties-là. Chaque ancien, chaque dirigeant et chaque disciple doit être informé que nous sommes dans une œuvre dans laquelle Dieu a déjà révélé sa volonté. Il nous est facile de marcher. Quand Dieu a déjà montré le chemin, la marche devient facile parce qu'il y a un chemin. Il y a une voie tracée. Il n'y a pas ici des chants dithyrambiques, c'est-à-dire des chants de joie, de triomphe. Ici, il s'agit des chants de supplication, des chants d'humilité, des chants d'une prise de conscience, des chants d'un oui et d'un renouvellement. Est-ce que nous sommes ensemble? Personne ne dira, nous sommes la Côte d'Ivoire, nous sommes importants. Non, au contraire, quand j'écoute toutes ces choses, je suis brisé. Et le besoin de chacun de vous augmente. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons faire ce que nous devons faire pour que vous ne soyez jamais déçus. Nous vous devons cette alliance-là. Nous allons lutter avec les bêtes, nous allons lutter avec les serpents, les scorpions, afin que nous soyons toujours des hommes et non des esprits mauvais. Donc, après avoir rappelé ces prophéties pour que ton cœur soit fortifié, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de vous bénir. Donc, vous allez vous tenir debout. Je proclame que nous sommes à vous. Et je proclame que vous êtes à nous. Et je proclame que nous sommes à Christ. Que la main du Seigneur soit sur chacun. Que la divine main de Dieu
soit journellement sur chacun. Que tes yeux contemplent les victoires de Jésus dans ta vie et dans la vie de ceux qui te suivent. Que ce soit une victoire, que ce soit des victoires éclatantes, de telle sorte qu'il sera toujours possible de dire, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui agit. Que cette main se lève contre les adversaires invisibles, contre les esprits humains, contre les maladies, contre les infirmités, au nom de Jésus-Christ. Et que tous ces phénomènes soient brisés. Que vos yeux contemplent la grâce de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu vous précèdent. Vous précèdent. Qu'elle soit avec vous. Qu'elle vous précède devant Dieu et devant les hommes. Que la grâce et la faveur de Dieu vous précèdent devant Dieu et devant les hommes. Que les portes s'ouvrent devant vous. Que les portes fermées, que tout espace barricadé contre vous, que les murs soient renversés et que votre passage soit victorieux. Que la main de Dieu soit sur chacun. Que la main de Dieu soit sur chacun. Que la joie de Dieu habite les cœurs. La joie de Dieu, la joie de Dieu. La joie de Dieu. Que chacun triomphe. Qu'il triomphe de toute épreuve. De toute épreuve. De toute épreuve. De toute adversité. De toute adversité. De toute adversité. De toute adversité. De l'adversité du diable. L'adversité des démons. L'adversité des hommes pervers. L'adversité des hommes méchants. Que tous les complots contre vous soient bannis. Que les complots soient bannis. Que tous ceux qui se sont levés contre vous tombent sous le pouvoir. Qu'ils tombent sous votre pouvoir. Qu'ils tombent sous votre pouvoir. Père, que ta gloire éclate. Que les desseins pour lesquels tu as rendu ce moment possible soient accomplis. Père, voici ton peuple venu se réconcilier avec toi. Venu se reconsacrer. Accepte cette offrande. Accepte cette offrande. Accepte cette offrande. Accepte cette offrande. Accepte chacun comme une offrande. Une offrande vivante. Une offrande vivante. Accepte chacun comme une offrande vivante. Libère ton œuvre dans chaque localité. Libère ton œuvre dans chaque localité. Donne des ordres au sujet de chacun de nous. Donne des ordres au sujet de chaque enfant. Donne des ordres. Donne des ordres. Donne des ordres. Donne des ordres. Père, si tu tardes à venir, que cette rencontre soit un lieu de partage, de communion fraternelle, de renouvellement d'amour, d'engagement, de consécration. Merci pour ta présence effective. Merci parce que tout se fait devant toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens avec nous. Seigneur Jésus, sanctifie-nous. Seigneur Jésus, recommande-nous. Seigneur Jésus, garde-nous dans tes liens. Seigneur Jésus, garde-nous dans ton amour. Seigneur Jésus, reviens. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Allez, la première, allez, la fête, allez.
Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Thank you.
Merci infiniment, Frère Guillaume.